418 migrants clandestins ont été interceptés par les autorités espagnoles dans la région de Murcie, dans la nuit du vendredi au samedi. Selon des médias espagnols, les 418 migrants, dont une majorité d'Algériens, ont débarqué à bord de 31 bateaux. Une partie a été secourue en haute mer par le sauvetage maritime et la garde civile, et d'autres ont déjà été localisés à terre, selon des sources de la délégation gouvernementale à Murcie, a annoncé le journal espagnol El Paix. 7 migrants ont été testés positifs au coronavirus. Ces derniers, ainsi que les 411 autres, sont actuellement mis en quarantaine, dans la région de Murcie, afin d'écarter la possibilité de contamination au Covid-19. Actuellement, les Algériens représentent 55% des migrants interceptés dans le Détroit et la mer d'Alboran, lorsque les années précédentes, ce pourcentage ne dépassait pas 10%, a annoncé l'Agence européenne des frontières, Frontex ajoutant que les Algériens représenteraient un quart du nombre total d'entrées par voie maritime enregistrées dans le Détroit et la mer d'Alboran. Néanmoins, le journal a estimé que le nombre de débarqués était très important, surtout que cela est arrivé dans une seule région et en une seule nuit.